Matthieu 21, versets 28 à 32. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Donc, ce n'est pas tout d'entendre une parole de Dieu, de dire « Oui, je m'engage, je fais ceci, cela. » Il faut assumer. Amen. Il faut le faire. Et si à un moment, et ça peut arriver à tous, on peut dire « Non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. » Et on a le droit de changer d'avis. Amen. Amen. Et de dire « Ben oui, Seigneur, après réflexion, ben, j'y vais. Je vais travailler à ton champ. Je vais faire ce que tu m'as demandé. » Et c'est ça qui est important. Amen. Et à partir de là, bah, vous entrez dans le plan de ce que Dieu a pour vous. Je fais une autre lecture qui va dans ce sens. Luc 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit son maison à creuser profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Les deux savaient la même chose. Ils connaissaient la même chose, ils ont entendu la même parole. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il y en a un qui a mis en pratique et l'autre qui n'a pas mis en pratique. Et bâtir sur le roc, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, la parole de Jésus. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Alors, il y a des personnes, il y a des chrétiens, chrétiennes qui vont chercher, qui voudront des paroles, des paroles, des paroles. Oui, c'est bien beau. Mais si tu ne mets pas en pratique ce que tu as entendu, ça ne sert à rien. Et tu es encore plus redevable. Amen. Et il faut bien veiller à cela. Donc, ce matin, je parlais dans ce sens de se programmer pour accomplir la volonté de Dieu. L'inspiration par le Saint-Esprit, les bons desseins, la bonne volonté ne suffisent pas pour que la volonté de Dieu exprimée, qu'on a entendue, qu'on connaît, s'accomplisse. D'accord ? C'est ce qu'on vient de voir hein, dans ces deux exemples. À quoi sert une vision sans action ? À quoi sert un ordre sans son exécution ? Et à quoi sert un projet sans sa réalisation ? Et ainsi, on peut des auditeurs oublieux si on ne met pas en pratique, nous dit Jacques. Et Dieu parle une fois, deux fois, trois fois, comme Pierre, dans Actes 10 chez Corneille, il a eu une vision et ça a été retiré. Quand on a reçu le message, la balle est dans notre camp, c'est à nous de jouer. Amen. Alors, connaître le plan du salut, pour parler par rapport à un chrétien, ce n'est pas suffisant. On peut connaître, savoir que Jésus est venu, avoir entendu parler, et aller en enfer, parce qu'on n'a pas mis en pratique le savoir, on ne l'a pas reçu comme notre sauveur. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. On peut avoir entendu des paroles, on peut avoir reçu des promesses, et ne pas être entré dans le plan de Dieu. C'est encore temps de changer. On a le droit de changer. Amen. Et si on n'entre pas dans ce que Dieu a pour nous, si on a reçu des paroles, on sait que Dieu nous a parlé et qu'on ne les a pas mises en pratique, eh bien, on est insensé. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir comment je vais faire, pourquoi d'abord je ne les ai pas mises en pratique. Et je vais
m'arranger pour organiser ma vie afin de mettre en pratique. C'est ça le but. Alléluia. Amen. Donc, il faut agir d'une façon constante et programmée jusqu'à l'accomplissement de la chose montrée et demandée. J'ai parlé de programmer. Et pour cela, pour accomplir le plan de Dieu, des choses que Dieu nous a montrées un peu, il nous a confirmé peut-être des choses, et on a très peu touché à la chose ou pas du tout, parce qu'en réalité, on ne l'a pas programmé. On ne s'est pas programmé. Il faut se programmer afin de mettre la chose demandée en priorité à la place où Dieu la veut. Sinon, ça ne se fera pas. Il faut donc revoir nos priorités en mettant Dieu en premier, déjà. Amen. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Eh bien, notre conjoint, avec nos enfants et l'œuvre, la chose qu'il nous a demandé ou les choses qu'il nous a demandées, par ordre d'importance et d'urgence, qui est prioritaire d'après ces directives. Je n'ai peut-être étonné certains en disant Dieu, ensuite c'est ma vie, hein, c'est ma relation avec Dieu, ma vie, ensuite c'est ma femme, ensuite mes enfants, ensuite c'est l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas confondre Dieu et l'œuvre. Attention de ne pas commettre adultère avec l'œuvre de Dieu. On peut faire passer, on peut aimer l'œuvre plus que Dieu. Voyez-vous? Mais que dit Paul à Timothée? Qu'est-ce qu'il dit à Tite? Que les évêques, que les anciens s'occupent d'abord de leur famille. C'est d'abord là qu'on est testé. Voyez-vous? On peut faire les beaux, les belles prières, ceci, cela, à l'église, mais Dieu nous voit à la maison, il nous attend à la maison. Alléluia. Et c'est très important. Si vous ne faites pas passer votre famille, votre conjoint, vos enfants avant l'œuvre de Dieu, vous allez aller au casse-pipe, comme on dit. Parce que c'est là que Dieu nous attend. C'est là qu'on va se forger. C'est la vie de tous les jours. Là, on ne peut pas tricher. On nous voit tous les jours. Ma femme me voit, mes enfants me voient, etc. Les petits-enfants, maintenant j'ai des petits-enfants. Mais c'est important. Et c'est à partir de là, je vais avoir une grande assurance dans la foi quand il parle des diacres ensuite. Vous voyez? Il dit que ceux qui veulent les diacres, on les éprouve d'abord. Et il parle des choses de la famille, ceci, cela. Et s'ils sont sous reproche, eh bien qu'ils rentrent dans la fonction. Alléluia. C'est nécessaire de se programmer, de s'organiser, de régler notre vie selon Dieu pour accomplir ce qu'il nous a demandé, sa volonté. Sinon, il y aura toujours des choses qui prendront la place de ce qu'il nous a demandé pour nous empêcher d'obéir à Dieu, pour faire ce qu'il nous a montré et de faire l'accomplissement, d'aller jusqu'à l'accomplissement. On ira à droite ou à gauche de l'objectif fixé. Il y a plein de choses. Regardez quand vous voulez prier, bien souvent, vous pensez à autre chose. Il y a encore autre chose. Il y a toujours des choses qui veulent vous dévier. C'est comme un jeune chien, il va aller dans tous les sens. Prenez-le en laisse. Si vous laissez de la longueur, il va aller dans tous les sens. Tenez court la laisse. Vos pensées, il faut les tenir comme un jeune chien en laisse. Chapitre 4, verset 26 des Proverbes. Parce qu'on peut avoir plein de choses, des idées, des bonnes idées. Je ne parle même pas que les choses qu'on a reçues ne sont pas vraies, si. Mais le problème, c'est que si on ne les met pas en pratique, c'est que, comme si Dieu, on dit lui, il parle pour rien dire. Et c'est du vent. Mais il ne faut pas faire comme ça. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Amen. Le mal, c'est tout ce qui voudra te dévier de ce que Dieu t'a dit, de ce qu'il a voulu pour toi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et Dieu a préparé les bonnes choses pour qu'on les pratique. Et ça, c'est à chacun. On est tous différents. Donc, c'est là qu'intervient le Saint-Esprit, qui va travailler avec toi et la parole. Et il va te donner quelque chose à faire. Mais c'est à toi de l'inscrire sur un papier, sur un cahier. Moi, j'ai toujours un cahier de prière depuis ma conversion. J'ai peut-être une pile de cahiers. Et c'est important. Il y a des sujets de prière que j'écris
et ça me permet de fixer des choses. Amen. Malgré ça, je fais des listes et puis je mets partout. Et je ne suis pas toujours les listes. Je fais comme le jeune chien parfois qui va à un autre. Non, je dois revenir à ma liste. Je dois me programmer. Voyez-vous? C'est très important. Et Paul parlait de tenir son corps en bride. Et c'est au niveau de nos pensées aussi d'abord. D'abord nos pensées. Alléluia. Donc, considère. Hein, analyse, vois, regarde. Le chemin par où tu passes. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Et que toutes tes voies soient bien réglées. Toutes tes voies, ça comprend aussi tes congés. Il y a des gens, ils vont travailler 11 mois de l'année, bien, pas de reproche, ici, cela. Et le mois de congé, ils vont faire n'importe quoi. Il va tromper sa femme ou elle va tromper son mari. Ils vont se saouler, ils vont faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réglé les congés. Ils n'ont pas réglé aussi ce temps de congé. C'est-à-dire que je ne vais pas me permettre, parce que sous prétexte que je suis en vacances, je vais faire n'importe quoi. Que je vais me saouler, que je vais tromper ma femme, que je vais faire que je regarde n'importe quel film. Non, mais je vais me programmer et je vais en profiter beaucoup plus. Parce que je vais rentrer dans des œuvres aussi programmées, préparées d'avance au niveau de mes congés. Avec ma femme, avec mes enfants. Amen. C'est juste ou pas? Et c'est important. C'est très très important. Qu'on puisse régler les choses. On peut dire, oh non, non, moi je marche à l'inspiration. On ne programme rien, c'est Saint-Esprit. Ouais. Tu vas voir le Saint-Esprit. Il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a aussi ton esprit, il y a aussi la chair. Et ça, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Amen. Donc, programme-toi. Tiens le chien en laisse. Amen. Alléluia. Quelqu'un a dit que le succès, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut travailler. Il ne faut pas marcher à l'inspiration. Si tu marches qu'à l'inspiration, tu n'auras pas de succès. Si l'inspiration, elle te dit ce que tu dois faire. Faire. Acte 1er, celui qui a écrit, donc Luc, les actes des apôtres, il dit, j'écris dans mon premier livre ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il a commencé par faire. Ensuite, il a enseigné. Amen. Il a montré, il a vécu, il a montré l'exemple. Ensuite, il a enseigné. Regardez quand il maudit le figuier. C'est après qu'il donne le cours, la leçon sur la foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais quoi que ce qu'il déclare, ce qu'il dit, ça se produit, ça arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Il fait d'abord la démonstration. Et ça, c'est vraiment important. Dans Genèse, au chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On peut avoir des réunions où il y a l'action du Saint-Esprit. L'Esprit est en train de se mouvoir. Mais bien souvent, on reste sur notre faim parce que Dieu veut parler. Et verset 3, Dieu dit, Dieu veut parler. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est pas parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui se mouvait que la lumière fut. Et bien souvent, dans des moments de louange ou de prière, etc., de culte, il peut y avoir une manifestation de l'Esprit. Mais on a l'impression qu'il y a un soufflé au fromage. On reste sur notre faim parce qu'on n'a pas donné, les personnes n'ont pas donné ce que Dieu voulait donner. Amen. Donc, je ne parle pas des autres, je parle de moi. Seigneur, je viens aussi au culte aussi, pour te louer, mais aussi je veux donner, je viens pour donner. Tu es un donneur et ton esprit est donneur. Donc, je veux donner de ta part ce que tu as prévu de faire à travers moi. Parce que l'esprit peut se mouvoir, mais c'est comme parler en langue. S'il n'y a pas un don d'interprétation, eh bien, on reste sur notre faim. Il doit y avoir quelque chose. Donc, parler en langue plus c'est interprétation égale la prophétie. Si quelqu'un amène une prophétie, maintenant la prophétie, il ne faut pas être voir un prophète, il ne faut pas confondre un ministère de prophète et la prophétie et les autres prophéties. Donc voyez-vous, il y a un travail. Il y a un travail avec l'esprit, mais la parole doit sortir. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Jésus parle ensuite du figuier et de la montagne, si quelqu'un dit à ces montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer.
Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Juste avant, le verset d'avant, il dit, ayez la foi de Dieu. Il y a des versions qui disent autre chose. Ils disent croyant en Dieu, quelque chose comme ça. C'est pas ça. C'est ayez la foi de papa. Faites comme papa qui a dit et la chose arrive. Alors toi aussi, dis à la montagne. Parle pas de la montagne à Dieu. Parle à la montagne. C'est pas Dieu qui va la dire de disparaître. C'est toi. Comme moi, j'ai maudit le figuier, j'ai pas demandé à mon père de le maudire. Je l'ai maudit. Maintenant, ne priez pas Dieu pour que la montagne disparaisse. Adresse-toi à ton problème. Dis dégage au nom de Jésus. Amen. 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 C'est autre chose que de croire en Dieu. Et c'est autre chose que d'avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est faire comme papa. Amen. C'est vivre comme papa. Je suis le fils de papa et j'ai la foi de papa. Parce qu'il m'a appris à faire comme ça. Et Jésus n'a rien fait d'autre que de faire et de dire que ce que son père lui montrait de dire et de faire. Amen. Amen. La parole de Dieu est créatrice. Jérémie 33, 2, il est dit « L'Éternel qui conçoit et exécute ces choses. » Dieu pense, Dieu conçoit, et il exécute aussi. Amen. Donc, soyons les imitateurs, les bons imitateurs de Dieu. Pour concevoir, on doit recevoir, mais pour pratiquer. On doit ensuite mettre en pratique celui qui conçoit et exécute ces choses. Genèse 2,15, on voit que dans le contexte, Dieu crée l'homme et la femme. Il place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il y a un ordre, c'est pas pour le garder et le cultiver. Dieu nous parle par son esprit. Et c'est à nous d'écouter ce qu'il nous a confié. Cela prendra plus de temps pour l'accomplir. Cultiver et garder. On se garde en cultivant, en accomplissant ce qu'il nous a confié. L'oisiveté conduit à la perdition. Ne dévions pas non plus de son plan. Ne dévions pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il ne va pas dire « je dois me garder, je dois me garder, je dois me garder ». La meilleure façon de te garder, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alors, je crois que c'est important d'avoir des œuvres programmées d'avance et d'entrer dedans. Alléluia. Amen. Ça va nous garder de bien des problèmes. Alléluia. Amen. On ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit. Donc, on ne peut pas faire le bien et le mal en même temps. Alors, occupons-nous du bien. Cherchons les choses d'en haut. Hein, et c'est important. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour écouter Dieu, pour recevoir ses directives. Et il y a un temps pour exécuter son plan. Amen. Amen. Mais il faut quand même prendre le temps de l'écouter. Sinon, on va faire nos plans à nous. On va bricoler. Et ensuite, on bâtit, on travaille d'après le plan. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour tout. Pour toute chose, dit Clélias. Amen. Une nuit, je me souviens, je travaillais. Et au bout d'un moment, vous savez, ça arrive parfois, on veut pousser. Je veux encore y arriver ensemble, la fatigue est là, puis on pousse. En réalité, on rame, puis on avance pas, première réalité. Et pendant que je travaille, à un moment, la nuit, je vois une flamme en vision qui est là où je suis. Et en vision, le Seigneur me montre le trajet qui conduit à ma maison et la flamme se pose sur mon oreiller, sur mon lit. Là, j'ai compris, il me dit, stop, arrête maintenant, va te reposer. Et je ne me suis pas fatigué. Il m'a arrêté juste à temps avant que je commence à ramer. Et après avoir dormi quelques heures, je me suis donné la vision dans le sens contraire. Il m'a fait voir la flamme qui allait à ma table de dessin. Et les choses se sont passées impeccables. Je ne me suis pas exténué, fatigué comme ça. Il y a un temps pour travailler. Il y a aussi un temps pour arrêter et se reposer. Amen. Il ne faut pas faire que de se reposer non plus. Il faut d'abord travailler. Sinon, tu vas vraiment avoir du mal à trouver le sommeil. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte, dit la Bible. Donc, il y a un moment, il faut travailler. Le temps de la moisson, il faut travailler, c'est pas là qu'il faut dormir. Il y a l'été, il faut travailler. L'hiver, tu pourras faire autre chose, c'est plus le moment de moissonner. Il y a d'autres activités. Puis c'est... La terre se repose aussi, la nature se repose. Hein? Donc, sachons respecter les choses, les temps, les saisons de Dieu.
dans Ecclésiaste chapitre 1, quand il est dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » J'aurais fait un chant là-dessus. « Jette ton pain sur la face des eaux, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras, tu le retrouveras. » Voilà. Et mon fils David, qui à l'époque, il avait un peu du mal à Dieu la guérir, heureusement, il était à moitié sourd d'une oreille, et lui chantait « Jette ton pain sur la face des autres. » Alors, rigolait évidemment. Après, quand il a expliqué, c'est sur la face des eaux. Donc, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est des choses qui m'ont servi, où Dieu m'a parlé. À une époque, on a eu des émissions sur Madagascar, et je ne savais pas, on était sur une station, et après, ça s'est multiplié jusqu'à 8 stations. Et Dieu m'a dit, n'hésite pas, on voit plus loin, il dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Pour moi, ça correspondait qu'il y avait 8 stations qui étaient ouvertes. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Et à la place de l'arbre, je vois des gens. Eh bien, quand les gens tombent, quand ils meurent, c'est fini. C'est avant que l'on prêche l'évangile. Amen. Donc, tu ne sais pas ce qui va réussir. Mais jette ton pain. Allez, envoie les émissions radio. Il faut que les gens entendent l'évangile. Amen. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Ne nous laissons pas impressionner par les circonstances. Sème en tout temps, ne te lasse pas de faire le bien. Amen. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Donc, il s'agit d'avoir un objectif, dès le matin et jusqu'au soir. Amen. Tu travailles à cela. Programme-toi. Fais les choses que Dieu t'a donné de faire. Tu dois les connaître. Tu as besoin. Ne nous lassons pas de semer parce que nous moissonnerons au temps convenable. Je sais qu'il parle dans ce contexte-là, Paul, au moment de faire part de nos biens à ceux qui nous enseignent. Et c'est valable, le principe, il est valable dans tous les domaines. Amen. Alléluia. Donc, si vous vous souvenez de ce que j'ai prêché il y a 3 mois, quel est votre objectif et l'histoire d'Élie. Élie, il est en pleine déprime. En réalité, c'est parce qu'il a perdu la vision. Il n'a plus d'objectif. Et il a peur de se faire tuer par Jézabel. Et il va dans un désert. Et il était à Beersheba à cette époque. Il va dans le désert et là, il demande la mort. Et Dieu envoie un ange qui donne à boire et à manger. Il prend une fois, il se recouche. L'ange le touche une deuxième fois et il dit « Mange et bois car le chemin est trop long pour toi. » Et le chemin est trop long pour toi d'un seul coup. Ça lui dit « C'est pas la fin, il y a un avenir pour toi, il y a quelque chose pour toi. » Ça s'arrête pas là. Et de là, il trace. Il va de Beersheba jusqu'au mont Horeb. Il y a au moins 400 km, j'ai regardé sur Internet, par le bus ou en voiture, mais lui, il est à pied. Hein, il met 40 jours et nuits, etc. Et avec cette nourriture, il a marché 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas la nourriture qui a donné de marcher 40 jours et 40 nuits. Parce que sinon, il aurait démarré la première fois. C'est parce qu'il a une vision. La nourriture, il a donné des forces, etc. Mais il n'a pas donné le courage. Et ce qu'il a fait démarrer, c'est qu'il y a un avenir pour toi. Car le chemin est trop long pour toi, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose. Et là, il sait où il doit aller. Au mont Horeb, c'est là que Dieu s'est manifesté dans le buisson ardent à Moïse. C'est là que Dieu parle. Il a ce rendez-vous. Il y va parce qu'en réalité, il est en manque de Dieu. Il a la foi dans les talons. Il a plutôt les foies que la foi. Il est mal. Mais là, il y a un rendez-vous avec Dieu. Il s'abouscule dans tous les sens. Et d'un seul coup, Dieu arrive. Il parle dans un murmure doux et léger. Amen. Et il lui donne la marche à suivre. Et la marche à suivre,
Quand il a fini, il dit, tu vas oindre un tel, et tu vas jusqu'à... Retourne par le chemin qui est désert, et tu vas oindre aussi, à ta place, Élysée. Et quand vous regardez la carte, il vient de faire 400 km. Et du Mont Horeb jusqu'à Damas, bon, il repasse par Beersheba, etc. Et il y a encore 450 km de plus. Ça veut dire qu'il y a 850 km. Il vient d'en faire 400 plus 850. Il y a le double à faire pour accomplir. Maintenant, il a une vision, il y va. Et ça prendra plus de temps à accomplir la volonté de Dieu que pour recevoir le plan de Dieu. Pour recevoir le plan de Dieu, il fait 400 km. Pour l'accomplir, il fait 850 km. Amen. Alors, 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Amen. C'est très important de se programmer. Alors, cherchez ce que Dieu veut pour vous et établissez les priorités. Peut-être deux, trois choses prioritaires, mais la première, ce que tu veux d'abord. Je sais, il y a des choses qu'il faut vraiment. Et il faut se faire violence, comme Paul le dit, hein, je tiens mon corps en bride, parce qu'il y a des choses que... Je sais qu'il y a ça, que je le fasse. Je sais qu'il y a la radio, je sais qu'il y a la prison. Je sais qu'il y a une autre chose aussi que tu me demandes. Mais j'ai patiné pour le faire parce que j'étais occupé d'autres choses. Mais ça demande de trancher et d'avoir le courage un moment pour dire non, ça stop maintenant. Ou ça vient en deuxième ou en troisième position. Vous voyez ? Sinon, ça s'attouche un problème pour vous. Ça vous empêchera d'accomplir le plan, la priorité de Dieu dans votre vie.